Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi, j'allais dire du dimanche parce que j'ai mes classeurs, les sous et tout, mais non, on est mercredi. Et alors, en vrai, dans la vraie vie, là, on est mardi. Et vous verrez la vidéo demain, donc voilà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour faire les enveloppes épargne. Voilà, je vous la mets aujourd'hui parce que, comme je vous disais dimanche, sinon ça décale tout. Et on rate une semaine pour le budget du mois, etc. Donc voilà, c'est pas grave. On fera comme ça en début de mois. Donc on est parti pour les enveloppes d'épargne, d'anticipation. Et ici, j'ai un budget total de 420 €. Donc pour les enveloppes ici. Et donc là, on est bien d'accord que, parce que souvent on me pose la question, je ne vais jamais dehors avec ce classeur. Je ne l'ai jamais avec moi. Ensuite, du coup, on commence, pardon, je viens de voir un mail apparaître sur mon téléphone, ça m'a perturbé. Eh bien, écoutez, c'est parti, on commence avec le fonds d'urgence, comme d'habitude. Et comme d'habitude, j'y mets 50 €. Donc là, on est en octobre, 50, et ça nous fait 500 €. Et ça, c'est cool. Donc, 500 € dans le fonds d'urgence. J'espère qu'on ne va pas en avoir besoin. Voilà, sachant que je suis loin de... Enfin, loin. Ouais, je suis loin. Et j'ai pour objectif d'être au minimum à 1 500 €. Mais à chaque fois, comme je vous disais, on a un pépin. Donc là, j'espère que ça va aller et qu'on va réussir à aller à 1 500. Noël. Noël, c'est pareil. On met 50 €. Et, ah oui, ça 450. Ouais, mais moi, j'arrive pas à me relire. Donc là, 50 et ça nous fait 500. Aussi, et donc ça c'est cool. Je vous rappelle que il y a aussi le défi de Noël que je vous montre sur Instagram et TikTok pour avoir 300 € d'ici décembre. Mais moi, du coup, ce sera pas pour Noël. Je pense que je le mettrai dans le fonds d'urgence pour aller un petit peu plus vite. Ensuite, on a la santé. Et donc là, normalement, c'est pareil, on a 500 puisqu'on n'a pas eu à piocher dedans. Je touche ma tête. Hop, 500. Et c'est vrai que, enfin, c'est pareil, là, vous me posez souvent la question, mais comment tu fais pour le docteur, etc. Alors nous, on y va très rarement, pour être honnête. Voilà, on y va très rarement, on a de la chance, les garçons sont très rarement malades. Donc voilà, alors là, bientôt... On doit tous aller chez le dentiste, donc on en reparlera après, ok? Donc là, 500. Parce que les garçons, là, il va leur falloir des appareils dentaires. Alors, je ne sais pas à quel âge, comment ça se passe et tout, mais bon, on va pas y échapper. Rentrée scolaire, eh bien écoutez, c'est parti. Est-ce que j'ai effacé? Oh, j'ai même pas effacé, j'ai pas ce qu'il faut. En tout cas, c'est pas grave, je le mettrai à jour après. Mais ça y est, on est en octobre. Je recommence pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Oui, oui, oui. Hop, pour pas me retrouver embêtée l'année prochaine, hein, n'est-ce pas? Ensuite, vêtements, 40 €. Tiens, je vais prendre là parce que j'en ai pas mal, des billets de 10. 40 €. Vous me demandez aussi comment je fais pour avoir des petites coupures. Eh bien, j'ai fait le tour de tous les distributeurs de la ville jusqu'à en trouver où je peux choisir les coupures ou en tout cas une majorité de 10 ou de 20 ou de 50. Et puis pour être sûre, je retire en deux fois. Comme ça, voilà, je suis sûre de ne pas trop avoir de billets de 50 ou de ne pas avoir que ça. Donc là, 40, ça fait 80. Hop. Ensuite, anniversaire, et là c'est vide parce que c'était l'anniversaire de mon mari en début de mois. Et on lui a fait un beau cadeau. Donc, on est à 0. Et on repart et on a 40. Hop, octobre 40. Oui, je sais, j'écris super bien. Voilà, en plus j'essaye d'aller vite et tout, donc franchement il est déjà tard, les enfants sont déjà à la maison, faut s'occuper du repas, j'ai chaud, bref. Donc franchement j'essaye d'aller vite. Les vacances, c'est pareil, 40, octobre 40, 400. Hop, on va d'abord mettre ça ici.
Et oui, c'est ça, ça fait 40. Et donc, on a 400 euros, beauté. Et bien là aussi, on repart de zéro. Donc, là, je mets que 20 euros, mais je pense que je vais peut-être passer à 40. Alors, attendez. J'ai oublié. Bon, c'est... Hop, j'ai pas noté 0. Je vais peut-être passer, du coup, je vous disais, à 40 parce que... bon, on doit quand même emmener les garçons régulièrement pour... Enfin, régulièrement. Pas toutes les semaines, hein, mais même pas tous les mois, mais quand même pour leur locks. Donc, je pense que je vais passer à 40. Je vais voir. Et puis là, nos enveloppes à nous. Donc, Lenny. Hop, 20 euros. Et là, donc pour les garçons, on n'y touche pas. On laisse et après on met sur leur compte. Et nous, eh bien, quand on a envie de s'acheter un truc, on pioche dedans. Et alors, la dernière vidéo, vous m'avez beaucoup dit, enfin j'ai eu 2-3 commentaires me disant que le son n'était pas top. Bah franchement, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai un micro qui est tout neuf et tout. Un appareil qui est tout neuf. Donc, et moi, quand je fais mon montage, j'entends pas de problème de son. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. J'espère que là, ça va aller. 10, 20 et 200 pour Elliot aussi. Voilà. Et ensuite, mon mari. Ah. On est à 0. On repart à 20. Et c'est pareil pour moi. L'enveloppe est vide. Hop. Mais ça, c'était prévisible. C'est quand nous sommes allés à Paris. Hop. 10, 20 et 20. Et on est bon pour les enveloppes d'épargne, anticipation pour le mois d'octobre. Et je sais pas vous, mais comme je vous l'ai déjà dit, mais moi c'est mon moment préféré. J'adore faire ces enveloppes. Voilà, j'adore ça. C'est tellement satisfaisant et de voir les montants augmenter et tout. Alors c'est sûr, il y a des enveloppes qui se vident, mais c'est aussi fait pour ça. Et c'est aussi fait pour que notre budget du mois n'en pâtisse pas trop. donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo budget, épargne, anticipation vous aura plu. Dites-moi vous où vous en êtes, si vous avancez comme vous le souhaitez dans vos objectifs. Et puis, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !